أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. الحمد لله رب العالمين. J'ai décidé aujourd'hui de venir vous en parler de quelques secrets. Tout d'abord, j'avais un autre compte sur YouTube. Il y avait beaucoup d'abonnés, mais j'ai eu un petit problème parce que mon compte a été piraté par quelqu'un d'autre. Donc, YouTube a bloqué mon compte. Je dois attendre avant 3 mois. Donc, j'ai décidé d'accéder à un autre compte. Donc, alhamdoulilah, les écrits que je vous donne aujourd'hui, avant de commencer les écrits, je vous demande de vous abonner beaucoup et de partager les vidéos qu'on fait ici. C'est très, très important pour les musulmans. En vrai, c'est les secrets cachés des marabouts. C'est pas tous les marabouts qui donnent des secrets comme ça. Dans nos jours, on donne des secrets comme ça pour aider les musulmans. Voilà pourquoi on vous demande de vous abonner et puis de les partager. Parce que le prophète Mohammed a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Il dit, parmi les gens, ceux qui sont les meilleurs, ceux qui ont lu le Coran, après ils font savoir les autres. Donc faut pas cacher un secret sur toi seul même. Dieu n'aime pas ça. Ce que Dieu veut là, qu'on les voit partout dans le monde entier. C'est ce que Dieu aime. Nous-mêmes, nous tous, on aura l'exaucement des vœux à cause des zikres. Et puis la terre aura des paix aussi. Donc j'ai décidé de vous donner les salats sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut être aimé par tout le monde. Il y a des femmes, ils sont mariées avec leur mari, mais c'est dans la maison, c'est leur mari seulement qui les aime. Il n'y a aucune personne qui les aime là-bas. Donc je veux vous donner 3 méthodes de secret. Il y a des hommes aussi, quand ils font des voyages ou bien là ils travaillent, partout où ils sont, ils ne sont pas aimés. Donc ça, c'est pas bien de ne pas être quelqu'un que les gens aiment. Faut être quelqu'un que les gens aiment. Quand quelqu'un t'aime, tu vas avoir le bonheur dans sa part. Donc, il faut faire tout pour être aimé. Donc, alhamdoulilah, j'ai décidé aujourd'hui de vous donner une grande secret des salats sur le prophète. Parce que Dieu a dit que Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Il dit, lui et ses anges font les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis ce jour-là, Dieu a dit, wa rafa'na laka zikraka. Ces mots-là, ça veut dire, Mohammed, nous on t'a mis en haut. Ça veut dire, tout le monde va t'aimer. C'est le prophète qui est aimé par tout le monde. Même si on dit son nom quelque part, même si celui qui chante, il dit le nom du prophète, tout le monde va l'aimer. Tout le monde va l'aimer. Donc on va vous donner un secret des salat à la Nabi pour avoir l'amour des gens, de ton entourage. L'âme de l'arabe, l'âme, c'est 3 façons de secret. Dès ces salat sur le prophète. Troisième, c'est pour les femmes qui n'ont pas de... C'est un rituel. Les femmes qui ne que les gens ne les aiment pas. Donc, alhamdoulilah, chaque matin et chaque soir, si vous avez le temps, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire chaque soir. Précisément, si ceux qui peuvent le faire après la prière des Maghrib. La prière des Maghrib, c'est comme avant de rien prière de la nuit. Ou bien derrière prière de la nuit, vous pouvez le faire matin et soir aussi si vous avez le temps. Vous allez faire Allahumma salli ala sahibul karamati, Allahumma salli ala sahibul karamati, Allahumma salli ala sahibul karamati, Allahumma salli ala sahibul karamati. Vous pouvez le faire 1000 fois, 1000 fois. Ceux qui ne peuvent pas faire 1000 fois, vous pouvez le faire 92 fois, mais de le faire 1000 fois, c'est mieux. Ou bien ceux qui peuvent dépasser 1000 fois, d'aller jusqu'à 7000, ou bien 4000, ou bien 2000 fois. Ça dépend. Si tu le fais à 7000, celui qui le fait à 7000, lui, il n'aura même pas beaucoup de temps. Il va être aimé partout.
Donc, celui qui le fait aussi à 2000 ou bien 3000. Mais les tout petits quand même, faut pas descendre en bas des 92. Ça, c'est pour les hommes qui veulent être aimés dans leur travail, pour les femmes aussi qui veulent être aimées dans leur foyer. Le deuxième secret que je vous donne, ça c'est Salat à la Nabi aussi. Donc, Inch'Allah, pour le deuxième vidéo, je vais vous expliquer bien. Alhamdulillah, les rituels pour les femmes qui veulent être aimées, les femmes qui sont mariées, ils veulent être aimées par les frères de ces, comment dirais-je, par les parents de ces maris, dans les quartiers même, quoi. Si une femme veut être mariée et être aimée par tout le monde, c'est un rituel des ancêtres. Tu sais, il y a des femmes qui balaient. Quand tu balais un endroit là, et puis tu ramasses toutes les ordures, tu ramasses toutes les ordures. Si l'endroit là est propre là où tu as ramassé, il y a seulement un peu de poussière qui va rester là-bas. Un peu de poussière qui reste, un peu de poussière qui sont là-bas. Chaque fois quand tu balais, après avoir fini de ramasser toutes les ordures, un peu de poussière qui reste là-bas, tu les ramasses. À chaque fois quand tu vas te laver, tu mets le poudre là-dedans et tu te laves avec. Wallahi billahi, ceux qui font ça, ils vont être aimés par tout le monde. Inch'Allah, que Dieu facilite tous ceux qui veulent pratiquer ces secrets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم